Allez, on est devant le stand, forcément. Les stands, qui ça va dire? Le stand Cool Master. Forcément, si vous avez une tour, vous ne pouvez pas passer à côté. Il vous faudra bien du refroidissement. Et il nous propose deux PC complètement fous, en forme de requin. Celui-là est juste, on va essayer de se passer devant. Il est juste incroyable, il est magnifique, vraiment. Très joli. Bon, là on a pas mal de tours. Allez, on va faire un petit tour du stand vite fait comme ça. On va s'attarder un peu sur le blanc parce qu'il y a moins de monde que sur le noir. Je sais pas pourquoi, c'est une préférence. La carte graphique dessus, très 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 sympathique, très joli. Encore une fois, on fait un petit tour. Ça partage les contacts. Ok, bon, on va retrouver après. Système de refroidissement et tout. Je sais pas si c'est une tendance qui s'affirme un peu comme on a pu voir chez les autres. Bah voilà, le RVB avec le boîtier. Et le RVB avec le boîtier qu'on va mettre sur le CPU qui va afficher bien évidemment en LCD les informations. Donc là on doit avoir une démo, mais on doit seulement avoir aussi la possibilité d'afficher, vous voyez, comme là-bas, vous voyez la température, les logos, l'heure, la date. C'est vraiment un truc qui qu'on voit partout. Donc comme on voit partout. Oh, ça c'est trop bien ça, ce truc. Voilà, ça c'est ça. Oh, c'est trop bien ça, c'est quoi? Ah, génial. Il y a un petit haut-parleur derrière. Ah, ouais, il y a un petit haut-parleur derrière et tout, voilà. Oui, je sais, c'est pas du tout. Ça, on dirait la gourde Rhinoshield. Petit écran, encore une fois. Ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'on voit vraiment plus. Soit, vous voyez, on voit bien qu'on a soit des versions qu'on va mettre sur les CPU dessus qui vont afficher. Soit, à mon avis, de plus en plus, on va arriver sur des boîtiers, vous voyez, un peu externes comme là, qu'on pourra mettre soit en dehors du PC, soit autour. Elle est jolie cette tour aussi, hein. Très belle finition. Le rack, comme ça. Le rig de minage. Pas du tout, monsieur. Ouais, tu pourrais, hein. Voilà, le machin qui a... La partie est quand même balèze. Là, on revient. Allez, j'ai une petite bouteille, ça ne doit pas être fait pour, mais... Ok. Là, on retrouve le mini comme ça là-bas. Regardez. Avec la découpe sur le côté. Vous voyez, pour laisser apparaître un petit peu le refroidissement. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. C'est très lumineux. Putain, ça doit consommer. Après, c'est que de la LED, donc ça ne doit pas consommer tant que ça. Mais on doit être sur des usines à gaz. À chaque fois, entre... Ah ben voilà, ça je l'avais déjà vu ça, il me semble quelque part. C'est fait dans une basket. Enfin, c'est fait une basket. Ça reprend le châssis, vous voyez, d'une chaussure. Ici, et pourtant, à l'intérieur, vous voyez, on retrouve bien tout ce qui est la partie de ton ordinateur, avec les boutons et tout. C'est là, là par contre, voilà, là, ça sur un setup, ça claque. Là, il n'y a pas à dire, t'as ça, t'es pas le boss du game, mais t'es celui qui a le plus beau setup. Voilà. Donc là, ça fait un peu le tour de ça. Je vais aller voir. Il y avait en face aussi où il y a Palette. Alors ça, moi, je ne connais pas la marque, mais bon, ça doit être connu parce que il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup d'éclairage. Très joli les petits boîtiers comme ça. Vous voyez, on retrouve cette tendance. Hein, vraiment, petit écran LCD un peu partout pour afficher les informations. C'est vraiment, on est dans le détail, ultra geek, hein, vraiment, de plus en plus. Ou est-ce que c'est indispensable? Non, mais voilà, ça affiche des informations, et puis après, voilà, on a mis de la LED partout, ils en mettent sur la RAM, on a mis sur les ventilos. Là, le petit écran en plus déporté, voilà, ça permet de faire un petit peu la différence, et nous, on continue.